Et tous. Euh, nous accueillons aujourd'hui M. Ramakers, euh, président de la Task Force Vaccination, qui va parler de la vaccination dans notre pays. Dus bonjour à tous. Nous accueillons vandaag Dirk Ramakers, président de la Task Force Vaccination. Il va nous meer plus geven sur euh, la vaccination dans notre pays. Mais in en premier instant, M. Van Gucht. van de epidemie. Goedemorgen iedereen. Bonjour tout le monde. Sinds vandaag valt 1 januari buiten de vergelijkingsperiode voor de besmettingscijfers. En kunnen we de cijfers nu dus weer met een volledige werkweek vergelijken. We zien vanaf vandaag ook een lichte daling in de weekgemiddelde, een trend die zich waarschijnlijk de komende dagen zal verder zetten. Eigenlijk zitten we reeds sinds eind november in een plateaufase met zo'n 2.000 tot 3.000 nieuwe besmettingen per dag. We doen het daarmee beter dan vele van onze buurlanden, maar het blijft een fragiel evenwicht met een plateau dat veel hoger ligt dan we zouden willen. Ondertussen is de mobiliteit in België gestegen en verplaatsen we ons opnieuw vaker voor het werk. We zitten daarmee terug op het niveau van december. Dit zal ongetwijfeld druk zetten op de cijfers. We zien ondertussen dat in landen waar men de scholen gesloten heeft, de mobiliteit sterker is afgenomen in vergelijking met België. En mensen zich daar ook minder verplaatsen voor het werk. We willen daarom opnieuw oproepen om ook in België meer in te zetten op. Thuiswerk. De ziekenhuisopnames, de ziekenhuisbezetting en de overlijdens blijven ook traag verder dalen. De afgelopen week werden er gemiddeld 2018 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. En dat is een afname van 2% in vergelijking met de week ervoor. Deze daling zien we in alle gewesten. Gaande van min 1% in Vlaanderen tot min 6% in Brussel en min 8% in Wallonië. In twee provincies worden nog toenames vastgesteld, met name Limburg plus 8% en West-Vlaanderen plus 2%. Deze toenames zijn voornamelijk te wijten aan een aantal uitbraken in woonzorgcentra en ziekenhuizen in de afgelopen week. Het hoogst aantal nieuwe besmettingen werd de afgelopen week nog steeds vastgesteld in Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Er zijn ondertussen een aantal opvallende verschillen per leeftijdsgroep. De daling is het meest uitgesproken bij de 80-plussers met min 20 procent. We kunnen daar ook zeggen dat ondertussen meer dan 100.000 bewoners en personeelsleden gevaccineerd zijn tegen Covid in de woonzorgcentra. En we zitten daarmee op schema om in de loop van januari alle woonzorgcentra gevaccineerd te krijgen, althans met de eerste dosis. U kan de vaccinatiecijfers voortaan ook raadplegen op het dashboard van Sianzano. Bij de 30 tot 60-jarigen en, en de kinderen en jongeren onder de 20 is er wel een toename van de besmettingen. En deze toename is momenteel het meest uitgesproken bij de kinderen onder de 10 jaar, met plus 27 procent. Deze week werden bij de kinderen onder de 10 jaar 532 besmettingen vastgesteld. De week daarvoor waren dat er 419. Over het algemeen gaat het nog altijd om een pak minder besmettingen dan bij oudere leeftijdsgroepen. En we zien deze toename ook voornamelijk in Vlaanderen. En dit hangt waarschijnlijk ook samen met het toegenomen aantal testen in deze leeftijdsgroep. De nieuwe ziekenhuisopnames blijven verder traag maar gestaag dalen. Verleden week waren er gemiddeld 116 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Wat 9% lager is dan de week ervoor. In Brussel, Limburg, Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant waren er wel toenames van het aantal nieuwe opnames. Verleden week hebben elke dag 130 covid-patiënten of gemiddeld elke dag 130 covid-patiënten het ziekenhuis kunnen verlaten. Daarmee liggen er momenteel 1974 covid-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 369 op intensieve zorgen. Deze cijfers liggen daarmee slechts een kleine 2% lager dan de week ervoor. De overlijdens gaan ook verder in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 50 overlijdens te betreuren, wat 8% lager is dan de week ervoor. Er werden de voorbije dagen verschillende meldingen gedaan van de Britse variant in België, onder andere bij een uitbraak in een woonzorgcentrum en ook enkele gevallen in enkele scholen. We willen nogmaals benadrukken dat op dit ogenblik de algemene evolutie wat betreft het aantal uitbraken nog steeds de goede kant uitgaat. Het aantal uitbraken en de omvang van de uitbraken in woonzorgcentra neemt nog steeds licht af. En ook in de scholen zijn er minder uitbraken in de eerste week na de kerstvakantie in vergelijking met de eerste week na de herfstvakantie. Er wordt echter wel meer en meer melding gemaakt van besmettingen met meer besmettelijke varianten van het coronavirus. Zo werden er tot en met zondag laatstleden door het referentielaboratorium van de KUL 91 Britse varianten en 7 Zuid-Afrikaanse varianten gerapporteerd voor België. En dit aantal zal in de komende dagen ongetwijfeld verder toenemen. Er wordt momenteel, momenteel echter ook specifiek gezocht naar stalen waarvan men op voorhand vermoedt dat de kans groter is dat ze besmet zijn met de Britse of Zuid-Afrikaanse variant. Men doet dat op basis van de reisgeschiedenis of op basis van het typische profiel van de PCR-test met een S-dropout. Het aantal positieve stalen voor de Britse variant vertegenwoordigt nog steeds een minderheid van de stalen minder dan 5%. Maar er is wel nood aan meer representatieve data. Zoals ik al gezegd heb, wordt er momenteel specifiek gezocht en geselecteerd op stalen waarvan men denkt dat ze besmet zijn met de Britse variant en dat geeft een vertekend beeld. In de toekomst zal er een representatiever systeem komen waarbij ongeveer 1 op elke 50 positieve stalen Genetisch gekarakteriseerd zal worden. Dit zal een meer representatief beeld geven van de verspreiding en de evolutie van verschillende varianten in België. Daarnaast zullen ook speciale gevallen, zoals bij een grote of ongewone uitbraak, of gevallen met een reisgeschiedenis, bij voorkeur gekarakteriseerd worden. Ondertussen blijkt uit studies in verschillende landen dat de Britse variant zo'n 40% besmettelijker zou zijn dan klassieke varianten. We willen er echter ook op wijzen dat er elders in de wereld nu ook regelmatig andere varianten geïdentificeerd worden waarvan men ook vermoedt dat ze mogelijk besmettelijker zijn. Deze evoluties zijn normaal voor dit soort virussen. En vertegenwoordigen een normaal proces van competitie tussen varianten, met uiteindelijk een selectie van het meest fitte virus. Een typisch proces van Darwiniaanse evolutie. Het is daarom ook belangrijk dat we het coronavirus goed en steeds beter in zijn geheel blijven bestrijden, los van mogelijke varianten. Al deze coronavirussen veroorzaken nog steeds dezelfde symptomen en veroorzaken dus geen ergere ziekte dan dat we reeds gewend zijn. De gekende maatregelen tegen het coronavirus, die we nu al zo lang met succes toepassen, blijven ook werken tegen deze nieuwe varianten. Denk maar aan het beperken van onze dichte contacten, anderhalve meter afstand houden. Het dragen van maskers en een goede ventilatie. Deze zaken veranderen niet. Anderhalve meter blijft de regel, ook wanneer we een masker dragen. Testen, opsporen van contactpersonen en quarantaine blijven nog steeds cruciale wapens. Laat u dus snel testen, ook bij milde klachten. Werk goed mee aan de contactopsporing en volg nauwgezet de quarantaineregels. Zo zullen we ongetwijfeld ook nieuwe varianten kunnen indijken in de toekomst. Dank u voor uw aandacht. Bedankt, uh, meneer Van Lucht. We zullen nu de dokter Van Latem die ons de bilan geven, Meneer... Nee, oké. Okay. bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors depuis ce jour, le 1er janvier, un jour férié, ne fait plus partie de la semaine comparative, et donc nous aurons enfin une comparaison valable des chiffres actuels par rapport à une semaine complète de travail et pas une semaine amputée d'un jour. Actuellement, nous observons une diminution légère des moyennes hebdomadaires, une tendance qui, nous le pensons, nous l'espérons, va se poursuivre dans les jours à venir. Il faut constater que depuis fin novembre, depuis la fin de notre deuxième vague, ou en tout cas la partie la plus importante, notre deuxième vague, on se trouve actuellement au niveau des nouvelles contaminations dans un plateau aux environs de 2000 et quelques jusqu'à 3000 nouvelles contaminations par jour. Ces chiffres que nous avons en Belgique sont meilleurs que ceux de beaucoup de pays voisins, mais nous restons, et on l'a déjà dit, et ceci est toujours valable, dans un équilibre fragile, un équilibre à un niveau que nous trouvons tous, et c'est le cas entre autres au niveau de l'impact sur les soins de santé toujours trop élevé actuellement. Par ailleurs, on a pu constater qu'avec la reprise scolaire, la reprise du travail, la mobilité a de nouveau augmenté en Belgique, nous nous déplaçons plus vers le lieu de travail entre autres, et on a retrouvé pour la mobilité le même genre de chiffres que nous avions en décembre avant les congés de fin d'année. Pratiquement inévitablement, vous savez qu'il y a un lien entre la mobilité et le taux de contamination, nous, nous attendons donc à avoir un peu plus de cas dans ce contexte-là. Et c'est une raison de plus pour souligner l'importance du télétravail. Un exemple, ce qui se passe dans des pays qui nous sont proches et dans lesquels, entre autres, les écoles sont restées fermées, les enfants sont à la maison, on observe que la mobilité a fortement diminué et que les gens se déplacent moins pour aller à leur travail et font plus de télétravail. Dans un contexte d'école ouverte comme chez nous, cela n'empêche pas d'insister sur l'importance de faire du télétravail. Au niveau des autres chiffres, les hospitalisations, le nombre de lits occupés, les décès, nous continuons heureusement à avoir une évolution favorable avec une légère diminution. Si on s'intéresse aux nouvelles contaminations, nous avons eu en moyenne 2018 nouveaux cas par jour et ceci correspond à une diminution légère de 2%. N'oublions pas que nous avions eu une augmentation après... La reprise post-vacances liée entre autres au dépistage des gens de retour de l'étranger. Cette diminution de 2% se retrouve, et on le voit sur la carte, globalement dans toutes les régions. Pour la région flamande, pour la Flandre, c'est moins 1%, pour Bruxelles, c'est moins 6%, pour la Wallonie, c'est moins 8%. Si on regarde la carte des provinces que vous voyez actuellement, on a à certains endroits une augmentation. Vous le voyez, le Limbourg, entre autres, avec plus 8% et la Flandre occidentale avec plus 2%. Ces augmentations régionales sur le Limbourg et la Flandre occidentale sont essentiellement liées à des foyers constatés là, dans les maisons de repos et dans des hôpitaux. Au niveau du nombre absolu de cas, c'est toujours la province d'Anvers, suivie des deux Flandres, qui en a le plus grand nombre. Si on s'intéresse à la répartition des cas en fonction de l'âge, on a des différences assez marquées. La baisse la plus importante, et je dirais heureusement, est chez les plus de 80 ans au niveau national, avec une diminution de 20%. Et on sait que c'est la population la plus touchée par la pathologie si elle développe des signes cliniques. Heureusement, dans ce groupe d'âge, en tout cas dans les maisons de repos et de soins, la campagne de vaccination a déjà permis de vacciner plus de 100 000 personnes contre le Covid. Et pour votre intérêt, il y a moyen maintenant de suivre l'évolution de ces chiffres sur le tableau de bord de Sienzano. Chez les gens plus jeunes de 30 à 60 ans et chez les enfants et les jeunes de moins de 20 ans, on a par contre une hausse du nombre d'infections. Elle est la plus marquée chez les enfants de moins de 10 ans. Où on est passé de 400 et quelques à 500 et quelques infections, donc une augmentation de l'ordre de 27%. Ceci se marque essentiellement dans des provinces flamandes, peut-être parce que le testing chez les enfants là y a été, en l'occurrence, pendant la dernière semaine, plus important. Si on s'intéresse aux hospitalisations, elles continuent à diminuer lentement mais régulièrement. On a en moyenne eu la semaine dernière 116 hospitalisations par jour, ce qui est 9% de moins que par rapport à la semaine précédente. Il faut cependant noter que dans certaines provinces ou certaines régions, la région de Bruxelles, les provinces du Limbourg, la Flandre orientale et le Brabant-Wallon, on a eu une petite augmentation des hospitalisations. Heureusement, plus de personnes sortent que n'entrent à l'hôpital. Il y a eu en moyenne 130 sortants par jour durant la semaine précédente, ce qui nous amène actuellement à avoir hospitalisé chez nous 1974 patients dont 369 le sont en soins intensifs. Ceci n'est qu'une légère diminution mais malgré tout une diminution de 2%. Nous devons toujours déplorer un certain nombre de décès, celui-ci a heureusement continué à diminuer de 8% et ceci nous amène à avoir actuellement 50 décès par jour liés au Covid. Alors vous avez certainement entendu dans la presse, dans les médias audiovisuels, beaucoup de choses au sujet de variants, les fameux variants, qu'ils soient les variants dits anglais, UK, ou sud-africains. Il y a effectivement eu un certain nombre de foyers, entre autres, un foyer important dans une maison de repos en Flandre et aussi des foyers dans quelques écoles. Ce que nous voudrions souligner, c'est que, en dehors de l'attention portée sur ces foyers spécifiques avec des variants, globalement, l'évolution des foyers épidémiques dans le pays est toujours favorable. Le nombre de foyers, la taille des foyers diminue encore légèrement. Dans les écoles, entre autres, pour prendre un exemple qui frappe, on note actuellement moins de foyers la première semaine après la reprise, après les vacances de Noël, que ce qu'il en était la première semaine après les vacances de Toussaint. Par contre, c'est vrai, on parle beaucoup et il y a plus de cas de ces variants dits plus contagieux du coronavirus. Jusqu'à dimanche inclus, le Centre national de référence au niveau de la KUL a détecté 91 variants britanniques et 7 variants sud-africains. Ce chiffre va indubitablement continuer à augmenter. Il est actuellement partiellement biaisé par le fait que les recherches de ces variants se font essentiellement sur des échantillons plus suspects, plus suspects soit parce que les personnes reviennent de voyage, soit parce que le profil de la PCR est un peu particulier et indique probablement qu'il pourrait s'agir d'un des variants en question. Nous avons clairement besoin d'un système plus représentatif de l'entièreté des souches du pays, système qui va être mis en place à l'avenir, dans lequel un échantillon positif sur 50 sera génétiquement caractérisé. Donc à peu près 2% des souches, ce qui donnera donc une image plus complète, plus véritable de l'évolution des différents variants à travers le pays. Actuellement, ces variants représentent encore moins de 5% du total des souches qui sont isolées chez nous. Que peut-on dire de ces variants On a beaucoup discuté de leur contagiosité, les chiffres ont fort varié. Actuellement, on estime à peu près, après plusieurs études, un risque supplémentaire de 40 de contagiosité induit par les variants en question. Mais ne nous braquons pas trop et seulement sur les variants en question. Il y a des variants qui naissent un peu partout dans le monde, à chaque moment, et d'autres probablement auront encore des caractéristiques différentes qui pourraient les favoriser d'autres, probablement, dans le futur, pourraient être aussi ou peut-être plus contagieux que les variants dont on parle actuellement. Ceci est une évolution, je dirais malheureusement pour nous, normale de ce type de virus qui mute facilement. C'est un processus normal de compétition dans lequel le meilleur gagne, celui qui est le plus fort, celui qui peut se transmettre le mieux, celui qui est le plus apte finalement à perpétuer l'espèce virale en question. C'est un processus typiquement darwinien qui guide toute l'évolution du monde vivant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce virus n'a pas changé dans sa virulence, dans son agressivité, ni dans les manifestations cliniques qu'il induit. On a les mêmes symptômes et la maladie n'est pas plus grave si on l'acquiert. Elle n'est malheureusement pas moins grave non plus. Les mesures donc connues contre le coronavirus telles qu'on nous les pratiquons depuis le mois de, de le mars restent donc parfaitement valables et ne doivent pas changer. Elles continuent à fonctionner contre ces variants. Pensons à une mesure fondamentale qui est la distance. Tenir la distance entre nous, 1,50 cinquante au moins si possible. Pensons à limiter nos contacts, pensons à porter adéquatement le masque quand il faut le faire, pensons, surtout ici en hiver, à ventiler adéquatement les espaces clos dans lesquels nous sommes la plupart du temps durant la journée. Rien de tout cela ne change et tout ceci reste valable. La triade du testing du tracing, donc de la recherche des contacts et de la quarantaine avec éventuellement un isolement si on est détecté positif, restent les armes fondamentales. Faites-vous tester si vous avez des symptômes. Et on a déjà rappelé que les symptômes peuvent être extrêmement légers, extrêmement variés. N'hésitez pas à consulter par téléphone votre médecin traitant. Coopérez si on vous demande quels sont vos contacts quand vous êtes déclaré positif et suivez surtout scrupuleusement d'abord les règles de quarantaine et puis donc éventuellement celles d'isolement. Ceci reste des outils fondamentaux et nécessaires, quel que soit le type de coronavirus, nouveau variant ou ancienne souche. Merci beaucoup. Merci, docteur. Euh, et euh, maintenant, plus d'infos sur la vaccination avec Dirk ramakers, président euh, de la task force de vaccination. Dank u wel en een goede middag. Ik ga kort de stand van zaken van onze vaccinatiestrategie toelichten. De vaccinatie met het Pfizer-vaccin in de woonzorgcentra gaat onverminderd voor en volgens schema. En zoals u misschien weet, heeft ook Jos Hermans gisteren zijn tweede injectie reeds ontvangen. Ook in de ziekenhuizen gaan we nu van start. Gisteren werd de vaccinatie van de zorgverleners daartoe opgestart. In 40 ziekenhuizen zal hiervoor het Pfizer-vaccin gebruikt worden, omdat zij het vaccin op zeer lage temperatuur kunnen bewaren. In totaal zullen nu 86.000 zorgverleners vanaf deze week gevaccineerd worden met het Pfizer-vaccin. Daarbij starten we op de diensten spoedgevallen, intensieve zorgen en ook de COVID-afdelingen. Daarnaast zal ook deze week het Moderna-vaccin voor de eerste maal worden gebruikt. Dit moet ook in twee dosissen worden toegediend, met vier weken tussentijd. Voor deze eerste week zijn 8000 dosissen voorzien. En in elke regio werd al één pilootziekenhuis aangeduid, waar men gisteren al gestart is met de vaccinaties. Daarnaast worden in de loop van de week nog bijkomende ziekenhuizen aangeduid, de eerste vaccinaties zijn goed verlopen en zij gaan dus verder vaccineren, ook zoals voorzien, de volgende dagen en weken. We wensen opnieuw te benadrukken dat dergelijke vaccinatie een farmaceutisch proces is, dat volgens de regels moet verlopen en dat ook een zeker leerproces vraagt, gaande van de bewaring, de onttooiing tot uiteindelijk uiteraard de toediening van het vaccin. Hoe ver staan we nu op onze teller? Ondertussen werden tot en met voorbije zondag ruim 100.000 mensen gevaccineerd, of 35% van onze beoogde doelgroep in fase 1a. Dit is dus een lichte onderschatting. Het zijn de bewoners en zorgverstrekkers van de woonzorgcentra en de eerste zorgverleners in ziekenhuizen en ook. Eerste lijn. En zoals Steven van Gucht ook uh, net al zei, zijn ook deze cijfers nu beschikbaar op de website van Sciensano en zullen ze dagelijks worden geüpdate. Wanneer komt de gewone bevolking aan de beurt? Ondertussen werden vorige week de locaties van de grootschalige vaccinatiecentra aangeduid door de deelstaten. U heeft dat uh, vermoedelijk ook via de pers vernomen. Zij gaan nu aan de slag om die centra voor de start van de volgende fase, dat is fase 1b, in gereedheid te brengen. En dan zullen alle 65-plussers, waarbij we zullen beginnen met de alleroudste, en vervolgens personen ook met een chronische aandoening, eerst aan bod komen. Voor de opstart van die vaccinatiecentrum. Centra is er in de taskforce een, wat we noemen, blueprint of draaiboek vaccinatiecentra ontwikkeld. U kan die ook consulteren via de website infocoronavirus, u wel bekend. En daar zal u de belangrijkste kenmerken of criteria kunnen terugvinden waaraan die vaccinatiecentra zullen moeten voldoen. Tot slot wens ik iedereen welgemeend te bedanken voor de belangrijke inspanningen die ze geleverd hebben om de start van de vaccinaties de voorbije weken vlot te laten verlopen. En bonsoir. D'abord peut-être la vaccination dans les de repos. Donc la vaccination au sein des maisons de repos se poursuit sans relâche et comme prévu avec le vaccin Pfizer. Hier, les premiers vaccinés ont déjà reçu leur deuxième injection. Hier aussi, la vaccination des prestataires de soins dans les hôpitaux a également débuté. Dans 40 hôpitaux, le vaccin Pfizer sera utilisé pour ce groupe. Au total, 86 000 professionnels de santé seront vaccinés à partir de cette semaine avec le vaccin Pfizer. Nous commençons avec les prestataires de soins dans les services COVID, les unités de soins intensifs et les services d'urgence. Le vaccin Moderna sera, quant à lui, administré pour la première fois aussi cette semaine. Le vaccin nécessite également deux doses injectées à quatre semaines d'intervalle. Pour cette première semaine, 8000 doses sont prévues et dans chaque région, un hôpital pilote a déjà été, été désigné à cet effet. La vaccination a commencé hier et se poursuivra également cette semaine dans des autres hôpitaux supplémentaires. Le lancement de la vaccination avec le moderne vaccin s'est passé sans problème et les hôpitaux administreront tous les vaccins délivrés dans les prochains jours et semaines selon les prévisions établies. Nous insistons cette fois encore sur la particularité de cette vaccination. Le processus complexe qu'elle exige implique un temps d'apprentissage pour être effectué dans les règles, depuis le stockage et la déconciliation jusqu'à l'administration du vaccin. Où en est le compteur? Depuis le lancement de la campagne de vaccination jusqu'à dimanche dernier, plus que 100 000 personnes. Ont déjà été vaccinés, soit 35 du groupe cible de la phase EA, c'est-à-dire les résidents et les soignants des maisons de repos, les professionnels de soins de santé dans les hôpitaux et aussi la première ligne. C'est encore une légère sous-estimation. Comme dit par Steven Van Gucht, ces chiffres sont désormais disponibles sur le site Web de Cien Sano et seront mis à jour quotidiennement. Quand viendra le tour de la population générale La semaine dernière, la localisation des centres de vaccination à grande échelle a été communiquée par les entités fédérées, permettant de commencer la prochaine étape. La phase EB permettra de couvrir en priorité tous les citoyens de 65 et plus par ordre d'âge décroissant et les personnes porteuses d'une infection chronique. Pour le lancement des centres de vaccination, un plan directeur, un blueprint des centres de vaccination est publié sur le site web Info Coronavirus. Que vous connaissez et reprenant les principaux critères euh, auxquels les centres devront répondre. Je veux également remercier tout le monde pour les efforts énormes fournis afin de permettre à la vaccination de se dérouler dans les meilleures conditions. Merci. Un tout grand merci, M. Ramakers, pour ces précieux... Euh, renseignements sur la vaccination en Belgique. Nous allons à présent passer aux questions reçues par la presse. Quel type de masque faut-il utiliser pour se protéger des variants plus contagieux Le port de masque FFP2 est-il nécessaire Alors j'aurais envie d'entamer ça en disant que rien ne sert d'employer trop peu ou mal un outil théoriquement plus efficace et que nous avons à notre disposition des outils efficaces s'ils sont employés quand il faut et convenablement. Première chose, convenablement. Les masques en tissu sont des masques qui doivent être lavés. Ce sont des masques dans lesquels il faut préférer les masques qui ont une double couche. Et éventuellement, si possible, la possibilité de mettre entre les deux couches un filtre. Les masques chirurgicaux doivent se changer, ne pas être mouillés, ne pas être abîmés. Idéalement, les changer toutes les quatre heures. Pour le masque lui-même, il faut le porter convenablement. Un masque abaissé sur le menton, un masque qui ne cache pas le nez, un masque qui baille sur le côté, est un masque qui perd énormément de son efficacité. Il faut donc se laver les mains aussi avant de manipuler son masque. Toutes des choses qu'on a dit à de multiples reprises l'année passée, qu'on n'a peut-être pas assez répétées. L'emploi du masque est devenu un automatisme parfois mal digéré et dans lequel nous avons intégré un certain nombre de fautes de comportement. Et il serait d'abord judicieux de réparer ces fautes avant de songer éventuellement à employer d'autres systèmes. Bien l'employé, on a dit l'employé assez souvent, c'est-à-dire dans toutes les circonstances de notre vie sociale ou professionnelle où c'est nécessaire, à l'extérieur bien sûr, où c'est obligatoire, ou par définition à des endroits où il y a du monde et dans lesquels les distances ne peuvent pas être respectées, le fameux mètre cinquante dont on a encore parlé, à l'intérieur, bien sûr, aux endroits où c'est obligatoire, comme les transports en commun ou les magasins, mais aussi dans d'autres circonstances, si, pour une raison ou une autre, vous devez rentrer chez quelqu'un ou quelqu'un rentre chez vous et que les distances ne peuvent pas être considérées. Dans un emploi adéquat de masques traités comme il le faut, la filtration peut être finalement pour une population et la diminution de l'impact sur une population peut être au Moins aussi important que si on employait des masques plus complexes à mettre, plus complexes à tolérer et qui ne seront pas de manière évidente sur le terrain d'un apport significatif. Quel type maskers moeten we gebruiken om ons te beschermen tegen de meer besmettelijke nieuwe varianten? Is het nodig om een FFP2-masker te dragen? Maar het is niet nodig om een FFP2-masker te dragen. Het is zo dat er geen verschil is in de te volgen maatregelen in functie van de variant. Uh, dus de keuze van het masker wordt niet bepaald door de variant van het virus. Uh, het is ook zo dat we geen enkele indicatie hebben dat verschillende varianten van het virus op verschillende manieren zouden spreiden uh, via een andere vorm of via een andere weg. Uh, het is wel belangrijk dat we een masker dragen. Dat we dat dragen waar het nodig is binnen op publieke plaatsen, op het openbaar vervoer, in de klas. Uh, dat we dat ook correct dragen. Dus het masker moet de mond en de neus bedekken en moet goed aansluiten aan de zijkant. Daar is misschien ook belangrijk om te vermelden voor mensen die toch een FFP2-masker dragen: dat die FFP2-maskers enkel maar zien hebben en enkel maar goed kunnen werken als men ze correct draagt. En dat luistert eigenlijk nog een stukje nauwer dan met de klassieke maskers. En men moet goed geschoren zijn, anders werken die niet. En die moeten ook heel goed aansluiten op het gezicht. In de medische sector voert men speciale testen uit om te zien of het masker goed aansluit op het gezicht. En het type masker kan variëren van persoon tot persoon. Men doet daar een zogenaamde fit-test. Dat is niet zo uh, evident voor uh, het algemene publiek. Uh, misschien ook nog een laatste belangrijk punt. Uh, misschien nog belangrijker dan het type masker dat we dragen. Dat is dat een masker ook niet de veiligheidsafstand kan vervangen. Anderhalve meter blijft de basis... Een masker dragen biedt daarbovenop een extra bescherming. De Britse variant werd gevonden omdat hier in Groot-Brittannië veel onderzoek naar wordt gedaan. In België is dit minder het geval. Is het mogelijk dat er tijdens de Belgische piek van besmettingen, die er eerder was dan in onze buurlanden, reeds een dergelijke variant van het virus was? Wel, het klopt dat die uh, tweede piek van besmettingen, de fameuze tweede golf in België, uh, eerder kwam. Het was ook tot nu toe nog altijd de uh, hoogste golf of hoogste piek uh, die we gekend hebben in Europa. Hoger dan die van Engeland, hoger dan die van Ierland. Nu, op dat ogenblik was ons bewakingssysteem nog niet zo goed uitgebouwd als dat het nu is en als dat het zal worden. Maar er zijn wel wat gegevens van bekend uh, die bepaald zijn door het referentielabo in Leuven. En zij melden dat zij toen verschillende varianten konden detecteren. Dus er zijn niet direct indicaties dat er één bepaalde dominante variant was die aan de basis lag van die zeer hoge piek die we in oktober gekend hebben. Het ging wel allemaal om varianten die de D614G-mutatie droegen. En dat is een mutatie die we eigenlijk zien bij de meeste Europese virussen sinds uh, maart. Het is weliswaar mogelijk dat elders in de wereld, of misschien zelfs in België, er varianten voorkomen die even besmettelijk zijn als die Britse variant, maar die op dit moment nog niet gekarakteriseerd werden of bestudeerd werden. En zo is het ook zo dat in vele andere landen uh, dit soort studies nauwelijks uitgevoerd worden, dus we hebben daar ook weinig gegevens van. Wat dat betreft komt de Britse variant met hele stevige papieren. tandis que andere variantes sans papiers. Zijn. Le variant britannique a prob probablement été réparé parce que le Royaume-Uni séquence énormément, ce qui est moins le cas de la Belgique. Est-il possible que notre pays ait connu une souche particulière lorsqu'un pic de contamination est survenu chez nous plus tôt que chez nos voisins Alors effectivement, la Belgique a connu un pic extrêmement important. C'était même le pic jusqu'à présent le plus important en Europe lors de notre deuxième vague à l'automne. Le système de surveillance belge, à ce moment-là, n'était pas aussi efficace que maintenant et certainement pas que ce qu'il sera dans un futur proche avec l'augmentation des moyens donnés pour que nous ayons une surveillance épidémiologique plus importante. Cependant, si on se réfère aux données qui sont dans les mains du centre de référence à la KUL, on se rend compte qu'il n'y a pas eu un variant particulier. On a eu effectivement différents petits variants qui étaient présents mais qui ne sont pas significativement autres que ceux qui sont en Europe à ce moment-là. Et donc nous n'avons pas de données nous permettant de penser qu'un variant majeur, éventuellement plus contaminant, ait pu naître à l'époque en Belgique. Il aurait d'ailleurs dû se distribuer par la suite dans d'autres pays européens. Il n'est bien sûr pas impossible que naissent chez nous ou ailleurs d'autres variants plus contaminants. On en a parlé durant la conférence de presse. Ceci est toujours possible. Leur détection peut poser problème et on sait que de nombreux pays ont des systèmes de détection qui sont peu importants et peu transparents éventuellement dans leurs données. Et donc il faudra bien sûr compter sur ce type de situation dans le futur. Il est clair que le variant anglais a connu plus de, je dirais, publicité parce que les études épidémiologiques qui sont particulièrement fouillées, on a déjà dit que en Angleterre à peu près 5 à 10 des souches sont investiguées sur le plan phylogénétique et donc ça permet effectivement d'avoir ces données et de les publier et d'en avoir une meilleure connaissance que d'autres souches qui sont peut-être apparues ailleurs et qui ne sont pas encore bien délimitées. Voilà qui clôt ce moment d'information. Un tout grand merci à nos différents intervenants. Merci à vous également pour votre attention. La prochaine conférence de presse aura lieu vendredi à 11h. Merci pour votre attention et